C'est une auteur. À la lisière du monde est le quatrième recueil de poésie d'Isabelle Courtois. Alors, des poèmes de recueil qui sort cette semaine, en fait. Donc, j'ai le premier exemplaire en main aujourd'hui. C'était le jour de l'action de grâce. Heureux concours, deux êtres trouvés. Dans l'inanité des origines. Écrivain, poète néo-québécois et néo-canadien d'origine algérienne. Salah Bediari, ex-professeur de sciences physiques. Et ça s'appelle Adèle et le vent du Nord. Et c'est une poésie un peu proche de la peau. Il pense vite. Une bourrasque le jette à terre. Marisol Vera Muñoz, ella es chilena, es profesora del Estado en Artes Plásticas en Chile, trabajadora social, travailleuse sociale à Montréal. 2017, c'est l'année du centenaire de la naissance de Violeta Parra, artiste chilienne, chanteuse, poète et peintre, reconnue au-delà des frontières du Chili. Si. Esa eres tú, compañera de ensueños, portadora de voces en el silencio. Alzas tu frente erguida, siempre abnegada, jamás abatida. Ça, c'est une anthologie qui a été publiée cette année dans le mois de juin. L'anthologie s'appelle Construyendo Memoria, escritoras latino-canadienses en el nuevo milenio. Trascendiendo. De troncos en juegos de niños, jardín botánico. Alors on va enchaîner avec deux autres chansons avant la pause. Merci Eric. Ángel Mota Berriozábal nació en la Ciudad de México en 1970. Bon, la manifestation qui était vraiment émouvante, et une des femmes qui a parlé, même de la famille d'une fille qui est disparue, nous a dit à tous qui étaient présents au Parlement, « You are angels. If you really want to help us, go tell the story of every one of us. » Sobre el blando musgo del bosque boreal, el caribú hunde sus enormes pezuñas en ramas y hongos. El día que jugaba con otros dos niños al borde del lago, arrojando piedras al agua, oyó llegar a los coches. El motor era inconfundible, eso y las ruedas sobre la tierra. Corrió a esconderse con los otros párvulos, pero no lo lograron. De un lado tenían toda la extensión del lago, del otro los cuatro coches y la policía montada de Canadá. The next person is someone who's going to read in English and Spanish. She just came in, literally, from Massachusetts. Her name is María José Jiménez. I've known her for about 20 years. When I go, my body will exhale a something. It will not harden. It will not fight or resist departure. Shattered the whale between your clavicles, unfurled a banner of curls, and flattened the horizon. And the last writer tonight is Nigel Thomas. The fateful night, it had been Emery's turn to ticket reckless drivers on a dangerous stretch of road on the Windward Highway, a job assigned to rookie cops. I was a conscript in World War II, got wounded too. They sent me to shed blood. They told me to save my life but take the enemy's. We must sit on the rim of the well of darkness and fish for fallen light. With patience. Next we have Noah Stevens. No soy de lectura fácil, visto un lenguaje inusual. La terre pousse au fond de moi, petit à petit, par strates, sans racines mais aussi intime qu'une cicatrice, comme quelque chose du dehors qui s'installe. With pressure low,
red liquid travels smoothly around and around until my heart beats. Brian Campbell. In previous ages, I sat, if at all, on rocks, logs, stools, my own haunches. Forever the commoner, I kneeled before you, judgment seat, pedestal. Claudia Cortés. La montaña llena de esperanza abrió sus secretos. Árboles y flores crecieron. Nora Strahinovich. Una magia perversa hace girar la llave de casa. Entran las pisadas. Tres pares de pies practican su dislocado zapateo sobre el suelo, la ropa. Katrin Biemann. This is a small dialogue with Che Guevara, how not, in the very month of the 50th anniversary of the year of his assassination. Hola Che, elegy for Patricia. Che in 1967. Where other death may surprise us, let it be welcome if our battle cry has reached even one receptive ear. On va terminer cette soirée avec Hakim. Et la musique de désolation qui accompagne les tambours et leurs percussions annonce une ère. Annonce une ère où peut-être il y aura plus de lumière. Bien, alors on va terminer cette soirée ici et je veux remercier tout particulièrement les poètes qui ont participé. María José Jiménez, gracias por venir desde Estados Unidos. Y felicitaciones por el libro. Ángel Mota, que ya se fue. Marisol, muchas gracias por estar con nosotros. Isabel Courtois, merci beaucoup d'avoir été là. Nigel Thomas, Eric Sève à la guitare. Et maintenant, je vous annonce que le prix du poème le plus court, c'est Jocelyne Dubois qui le gagne ce soir. Deuxième prix, le poème plus court, c'est Claudia Cortés avec 1 minute et 6 secondes. Troisième prix, 2 minutes et 12 secondes pour Brian Campbell. Et le prix citron, ben, j'aime autant ne pas vous le dire. À la prochaine, suivez-nous sur notre page Facebook. Vous allez trouver toutes les informations qu'il faut pour l'édition du mois de novembre. Merci. Thank you.
Mm-hmm.